Alors, on va se lever et on va dire un petit mot de prière avant de commencer la matinée. Donc, Seigneur Jésus, on veut te remercier pour la grâce que tu nous donnes ici ce matin. Merci pour tout le monde qui est là. Merci pour la communion fraternelle qu'on peut avoir ensemble. Dieu, on veut te prier que tu puisses bénir la matinée, que tu puisses nous édifier et être avec nous. Et merci pour tes millions de grâces et de bienfaits qu'on prend tellement souvent pour acquis. Aide-nous, Seigneur, à lever les yeux et t'admirer comme tu mérites d'être admiré. Amen. Et je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Et il m'appelle, il est dans sa main, quand la mienne s'est perdue. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Je soupire après toi, j'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie m'aime, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je jour après jour, je te louerai.
ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, on ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho. Et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler, tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui ce que je suis, on ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de facile à chanter, mais des fois moins facile à vivre. Hein? Parce que les promesses semblent pas faire de sens. Abraham, tu vas avoir un enfant. Allô? J'ai 90 ans, pas sûr que c'est le même que ça se passe. Joseph, ça va bien aller, tu vas être le chef de la famille. Oh, t'es bonne, je suis en Égypte, puis il fait dur, puis je suis en prison, puis il fait fret, puis le gars m'oublie, puis Simonac, ça va bien à chop. Mais... c'est ça, hein? C'est là le marcher par la foi, non par la vue, mais l'amour de Dieu rachète le mal en bien, rachète nos épreuves, transcende l'univers et vient s'incarner en Jésus et vient ensuite se réincarner dans nos vies par sa grâce continuelle à chaque jour. Mes erreurs, ma
folie. Il a montré en venant en ami, apportant à mon cœur la vraie vie. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui? Et lui tendre la main. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui dans ta vie? Et là, on va splitter les hommes et les femmes. Les hommes, vous pouvez me suivre l'amour de Dieu. Les femmes, vous pouvez suivre Sarah. De lui. Tout le monde ensemble, ne veux-tu pas de lui? Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui? Et lui tendre la main. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui dans ta vie? J'inviterai vous asseoir. J'inviterai Yvan. Oui, bonjour tout le monde. Donc, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. Et avant, j'aimerais apporter une petite méditation. On raconte l'histoire d'une famille, le père, la mère, deux enfants, qui vivaient dans un village éloigné, et dans une petite maison. Et tout allait bien, sauf qu'une nuit, malheureusement, la maison a pris feu. Et le toit est en feu, les murs étaient en feu. Et dans ce village-là, il n'y avait pas de service d'incendie, pas de pompiers. Fait que les villageois ont couru, ils ont crié, sortez de là, ils n'entendaient rien. Et tout le monde savait que les parents étaient là avec les deux enfants. Et il y a un jeune homme qui était nouvellement arrivé dans le village avec sa femme, un jeune couple. Et il a couru, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Bien, le feu est pris, il y a quelqu'un là. Oui, il y a les enfants qui sont là, puis les parents. Fait que sans hésiter, lui, il est parti à la course. Il avait un grand manteau. Il est parti à la course, rentré dans la maison. Et il est sorti avec les deux enfants. Et les enfants n'ont pas été brûlés. Ils les ont ranimés parce qu'ils étaient, ils avaient été incommodés par la fumée. Mais le monsieur avait un grand manteau. Il les avait cachés dans son manteau. Les enfants étaient corrects, mais lui, il avait les deux mains brûlées parce qu'il avait les mains en dehors du manteau. Fait qu'il était brûlé là. Fait que là ensuite, aussitôt qu'il était sorti, le toit a tombé. Et il était impossible de trouver les parents vivants. Ils ont retrouvé morts, c'est sûr, là, dans les décombres. Et les enfants ont été pris en charge par des personnes du village pendant quelques semaines. Et là, ils se sont dit, puis il n'y avait pas de famille pour les prendre, pour les adopter. Ils ne savaient pas quoi faire avec les enfants. Et le village a formé un conseil de sages qui essaierait de trouver quelqu'un pour adopter les enfants. Et ils ont fait un avis
je ne sais pas trop de quelle façon, mais pour dire, bon, telle date, telle heure, venez, on va rencontrer les couples qui aimeraient adopter les enfants. Et il y a deux couples qui se sont présentés. Le premier couple, c'était le couple le plus riche du village. Il y avait une grosse maison et ils ont dit, nous, on est capable de prendre soin de l'enfant parce qu'on a beaucoup de sous et ils vont être heureux avec nous, on va s'en occuper vraiment, on va les aimer comme nos propres enfants. OK, ça, c'était le premier couple. Deuxième couple qui était là pour son entrevue, c'était justement le jeune homme qui avait sauvé les enfants de l'incendie. Et ils ont demandé au jeune homme et à son épouse, vous venez d'arriver dans le village, vous n'êtes pas tellement riche, avez-vous les moyens d'élever les enfants? Qu'est-ce que vous avez pour nous prouver que vous les aimez assez et que vous êtes capable d'en prendre soin? Et le jeune homme, il a tout simplement montré ses mains comme ça, brûlées. Il n'a pas dit un mot. Il a juste montré ses mains. Et le message que ça envoyait, c'est qu'il portait sur son corps les marques de l'amour pour les enfants, les marques qu'il avait pour les enfants. Donc, et si ce n'était pas de lui, les enfants ne seraient même pas là, ne seraient même pas sauvés. Donc, il méritait de recevoir les enfants et de les adopter. Et vous avez sans doute vu l'analogie avec Jésus. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et c'est le prix que Jésus a payé, sa mort sur la croix. On vient de chanter, « Il a été frappé à ma place sur la croix. » Donc, et il est digne de confiance, il est digne de tout mon amour. Et il y a peut-être des personnes ici qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel. Et peut-être vous ne lui faites pas confiance, vous dites, « Oh, si je lui donne ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Je peux-tu faire confiance vraiment? » Et ce que Jésus fait ce matin, moi j'ai des mains pas percées, mais lui il a des mains percées. Jésus vous montre ses mains ce matin. Rappelez-vous de ce qu'il a fait pour vous et qu'il est digne de toute votre confiance et digne de ce que vous lui appartenez, que vous lui donnez votre vie. Et Jésus est le chemin étroit. Ça semble étroit sur la terre, mais il y a beaucoup de possibilités quand on suit le chemin étroit, c'est merveilleux. Et encore pour l'éternité, bien là, on n'en parle pas tellement, les possibilités sont illimitées. Le fait d'avoir pris le chemin étroit sur la terre, au ciel, ça va être vraiment merveilleux. Peut-être que vous êtes sauvés, la grande majorité ici sont des enfants de Dieu qui ont été rachetés, mais peut-être que vous vivez tellement d'épreuves que vous doutez de l'amour de Jésus. Et Jésus, encore ce matin, vous montre ses mains percées. Il dit, regardez qu'est-ce que j'ai fait pour vous. Je vous aime. Et si ça ne va pas bien aujourd'hui, c'est difficile. C'est parce que l'épreuve est là pour nous rapprocher de lui, pour nous fortifier. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui allez bien. J'aime ça, le monde qui va bien, on va avoir du plaisir. Non, vous êtes fatigués et chargés, c'est dur. Venez à moi. Jésus vous appelle. Et dans 1 Pierre chapitre 5, il est écrit, « Déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, si on veut qu'il prenne soin de nous, il faut se décharger de nos soucis. Il ne faut pas les garder. Il faut les confier à Jésus. C'est marqué, « Car lui-même, ce n'est pas les anges qui prennent soin de nous, c'est lui-même prendra soin de vous. » On sait qu'on était aussi rachetés à un grand prix. Donc, j'inviterai les gens qui vont faire leur pas du Seigneur ou distribuer les éléments à s'approcher et à commencer la distribution tout de suite. Et pendant ce temps-là, on va avoir un chant. Donc, pendant la distribution, je vous invite à réfléchir aux mains de Jésus. Qu'est-ce que ça représente pour vous, tes mains percées? Et quand Jésus ressuscité avec son nouveau corps, je me demandais pourquoi est-ce qu'il a gardé les marques? Avec un nouveau corps, il n'aurait pas eu besoin, il aurait pu guérir complètement. Et nous, quand on va avoir un nouveau corps, on n'aura plus nos blessures, on n'aura plus nos bobos. Mais lui, il avait un nouveau corps, mais il a pris la peine de garder les marques. Parce qu'il voulait que ça signifiait quelque chose. Et il y a un chant qui dit, « Les seules choses faites de main d'homme au ciel, ce seront les marques dans les mains et les pieds de Jésus. » Seule chose qu'on était capable de faire. Dieu puissant, quand mon cœur considère
Oui, rien n'est plus grand que ton amour. Avec Dieu, tout est infini. Sa puissance, sa grandeur sont infinies. Son pardon est infini, peu importe nos fautes. Mais son amour est infini aussi. Donc, on ne le limite pas. Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et la nuit où il fut livré, Jésus a pris le pain, le rompu. Et il a dit... Prenez ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous allez le faire, vous allez annoncer que je suis mort pour vous, jusqu'à ce que je revienne. Donc, ce matin, on veut se rappeler tout ce qu'il a fait, le prix qu'il a payé, son amour, le sacrifice qu'il a enduré à la croix, et se rappeler qu'il est toujours vivant.
Il dit, prenez-le jusqu'à ce que je revienne, donc en attendant son retour. Quand tu vas être revenu, on va prendre les noces de l'agneau avec lui, ça va être merveilleux. On n'aura plus besoin de prendre le pot du Seigneur, ça va être un souvenir. On va dire, hey, vous rappelez-vous quand on prenait le pot du Seigneur? On va dans le ciel ensemble, ça va être merveilleux. Donc, en mémoire de Jésus, prenons le pain et le vin. Prions. Seigneur, merci de nous avoir laissé ce mémorial. Tu savais combien on avait besoin de se rappeler de toi parce qu'on est vraiment oublieux. Et Seigneur, on ne veut pas se rappeler de toi la sauvette, mais on veut se rappeler de toi, Seigneur, que tu sois constamment dans nos vies, que tu fasses l'objet de nos pensées le plus souvent possible, que tu nous habites, Seigneur, par ton esprit, que tu nous rappelles les paroles que tu nous as laissées, que tu nous façonnes, que tu nous travailles, que tu nous donnes ta joie, et Seigneur, surtout la reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Merci parce qu'on vient de chanter que nous allons être, nous sommes tes héritiers, et ça dépasse notre entendement, Seigneur, c'est plus grand que ce qu'on peut imaginer, mais nous allons être l'héritier du grand roi, de l'être le plus riche de l'univers. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, merci de nous avoir rachetés à un grand prix. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, vous allez bien? Oui, donc on a un programme quand même assez chargé ce matin. Je vais aller relativement rapidement pour les annonces. On n'oublie pas la garderie pour les enfants de 9 à 12 ans. N'oubliez pas de mettre le nom, faire un X si vous avez des enfants entre 4 et 9 ans pour la garderie d'été. Et je vous rappelle aussi, j'ai la feuille avec moi, je vais la remettre en arrière. Il nous manque deux noms pour les PPE pour avoir des gardiens accrédités pour pouvoir avoir la garderie si vous appréciez le service. On vous encourage à aller mettre votre nom. Il nous manque deux dates, le 25 août, le 1er septembre. Donc, si vous avez ça à cœur, vous êtes formé PPE, allez mettre votre nom. Et si vous avez des enfants, n'oubliez pas de les inscrire. J'ai une annonce aussi pour ceux qui ont des téléphones. Vous pouvez le mettre sur mode silencieux ou vibration parce que ça dérange quand ça sonne. Je vous encourage aussi à, pour ceux qui ne le sont pas, je vous encourage à vous inscrire au Facebook de l'Église pour suivre un peu les annonces. Et cette semaine, on a mis une annonce. Et je vais faire un petit mea culpa. C'est moi qui... J'ai annulé aujourd'hui le dîner dehors parce que toute la semaine, jusqu'à vendredi matin, on avait 90% de chances d'avoir des orages violents. Comme vous voyez, on a pris une décision hâtive avec l'information qu'on avait. Donc, si vous êtes venu avec un lunch et que vous voulez participer, il y a des tables à pique-nique dehors. On vous encourage à rester passer du temps aussi. Mais c'est pas officiellement, on ne montrera pas les tentes, on ne sortira pas le barbecue parce qu'on l'a annulé d'avance. On s'en excuse. Mais pour les belles nouvelles comme ça, qui sont parfois vraiment bonnes, mais prises sur des mauvaises informations, on vous encourage à vous inscrire sur le Facebook de l'Église. Aussi, un petit rappel rapidement, l'école du dimanche, notre programme normal va commencer bientôt. Ceux qui ont des enfants, n'oubliez pas, les inscriptions vont se faire bientôt, les faire. Et pour ceux qui sont intéressés à différents cours, dans votre bulletin, vous avez des informations, il y a des cours qui vont se donner sur la rive sud à l'église aujourd'hui. On vous encourage à vous inscrire si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la Bible. On l'annonce depuis un certain temps, on vous encourage. Ce matin, je vais inviter deux missionnaires à venir nous voir. Et là, je ne veux pas dire n'importe quoi comme nom. Je l'avais écrit ici. Je vais inviter, juste après, je vais prier. Et ensuite, je vais inviter nos missionnaires, McTair et Suzanne Waltz. Waltz, je ne sais pas. Ça... Comment? Là, ils l'ont dit de deux façons différentes. Je vais les laisser le prononcer eux-mêmes.
Donc, c'est des missionnaires qu'on soutient. Je pense qu'ils travaillent en France, puis là, ils se promènent un petit peu aussi, j'imagine. Je vais les laisser se présenter. Juste avant, j'aimerais vous inviter à vous lever. On va prendre un temps pour prier Dieu, remettre notre dimanche ensemble dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, on vient à toi. On a été rappelé par les louanges, par les chants, à quel point tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu d'amour qui nous prend, qui nous accepte tel qu'on est et qui nous prend dans sa famille, Seigneur, qui vient nous laver, nous purifier, prendre soin de nous, Seigneur, d'une façon exceptionnelle. Et on veut avoir une pensée, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui peut-être vivent des moments difficiles, peut-être souffrent dans leur corps, dans leur âme, émotionnellement, mentalement. Seigneur, on veut te remettre tous ces gens. On veut te demander de, un, leur faire du bien, leur parler, apaiser peut-être les stress de la vie, apaiser, Seigneur Dieu, les cœurs troublés qui vivent des choses difficiles. On veut, Seigneur, avoir une pensée pour ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, certains depuis des années, et parfois on peut tomber dans le découragement, on te prie de prendre soin d'eux, on te prie de les bénir, on te prie de leur faire du bien. Ce matin, Seigneur, on veut se rappeler ensemble en Église à quel point tu es bon, à quel point tu es grand, à quel point tu prends bien soin de nous et comment tu as tout accompli à la croix. Comment, Seigneur Dieu, tu as racheté des âmes perdues qui étaient les nôtres et tu les transformes de jour en jour afin qu'on puisse te ressembler à toi, un Dieu merveilleux. Merci, Seigneur, pour ça. Merci de prendre soin de ton Église. Merci pour tous les gens qui se disent que dans leur vie, ça va bien. Merci pour ça, Seigneur. On veut prendre un temps de reconnaissance aussi ce matin, se rappeler que tu prends bien soin de nous, que notre Église, on a une belle Église. Entre nous, on a une belle communion. Prends soin de ça, garde-la. On sait que ça tient souvent qu'à un fil. Merci de garder ton Église. Merci de garder chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur Dieu, bénis ce temps. Sois aussi avec notre prédicateur Tony, qui s'est bien préparé, Seigneur. Puis prends soin de lui, bénis-le. Bénis-nous, aide-nous à bien écouter. Et Seigneur Jésus, on te prie toutes ces choses pour ta gloire. Amen. Merci. Merci, Macter et Suzanne. Je serais bien curieux de savoir comment ça s'est passé, votre soirée québécoise, mais on pourra en reparler. Puisque le Seigneur vous utilise pour impacter les gens là où vous êtes. Amen. Merci. Oui, oui, c'est vrai, les enfants, vous pouvez y aller, c'est le temps. Merci, Joseph. Alors, Seigneur Jésus, Seigneur grand Dieu, merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, je veux te prier pour ces enfants qui s'en vont à l'activité qui est prévue pour eux, que tu puisses te manifester à eux à travers l'activité qu'ils vont avoir. Et puis, merci pour les gens qui ont à cœur de s'en occuper. Merci pour Suzanne et Macter, Seigneur, que tu utilises depuis de nombreuses années pour répandre l'Évangile et puis te faire connaître. Et Seigneur, on veut te prier aussi pour la réunion de ce matin, que tu sois avec nous et puis que tu puisses m'utiliser pour transmettre le message que tu as mis sur mon cœur de ta part, Seigneur. Bénis cette réunion et toutes les réunions où, à travers le monde, tes enfants vont se réunir pour te célébrer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bon matin à tous, bon matin aussi à la maison, ceux qui nous suivent sur Internet. Ce matin, je ne veux pas avoir l'air d'un âne, mais je veux vous parler d'une histoire d'âne. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal criait « I-ah! I-ah! » Vous autres, ça vous fait rire, mais le fermier, lui, ça le fatiguait. Parce que pendant des heures, le fermier, exaspéré et incapable de faire sortir l'âne de là, n'en pouvait plus de l'entendre crier. Alors, comme l'animal était vieux et que le puits était à sec de toute façon, le fermier a décidé d'enterrer le puits avec l'âne dedans. Il se mit donc à y jeter de la terre une pelletée après l'autre. Quand l'âne a réalisé ce qui se passait, il s'est mis à crier encore plus. Mais non, je ne le ferai pas. Mais quelques pelletées de terre plus tard, l'âne a soudainement cessé de crier.
Le fermier, étonné, a regardé dans le puits pour voir ce qui se passait. Et il s'est aperçu que, à chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne se secouait pour l'enlever de son dos. Si bien que, peu de temps après, il y a eu assez de terre dans le fond du puits pour que l'âne puisse sauter, sortir de là et recommencer à trotter. Et la morale de cette histoire, c'est que dans la vie, si on ne veut pas se laisser enterrer par les difficultés, il faut apprendre à se secouer. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans la suite de notre étude sur la deuxième épître à Timothée qu'on a débutée il y a quelques semaines. Alors, tournez avec moi en 2 Timothée au chapitre 2. On avait vu en introduction à l'épître que 2 Timothée était une espèce de testament spirituel que l'apôtre Paul léguait à son jeune ami Timothée. 2 Timothée est la dernière épître que Paul a écrite et il fait un certain nombre de recommandations et d'exhortations à Timothée pour qu'il tienne bien dans le ministère et pour qu'il apprenne à persévérer, à faire les bonnes choses, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais la dernière fois, on avait vu que Paul exhortait Timothée à garder le bon dépôt, c'est-à-dire à faire valoir ce que Dieu avait mis en lui. Timothée devait continuer à proclamer l'Évangile, à servir Dieu malgré les persécutions et face aux faux docteurs qui s'étaient infiltrés dans les églises. Et pour encourager Timothée et lui montrer que c'était possible de continuer malgré les difficultés, Paul s'était servi de son propre exemple et de celui d'Onésiphore. Et en contraste à ça, il avait parlé de Phygèle et Hermogène, qui, eux, étaient de mauvais exemples parce qu'ils avaient abandonné. Paul va maintenant interpeller directement Timothée. Oui? Il manque une responsable pour la pouponnière. OK. Alors, si quelqu'un se sent persécuté dans son cœur et qui veut obéir au Seigneur, c'est le temps d'y aller. Donc, Paul interpelle maintenant Timothée directement et lui dit au verset 1, « Toi donc, mon enfant, toi donc. » Alors, il met l'accent sur lui. Alors, Timothée, je viens de te montrer des exemples. Garde le bon dépôt. Il y en a qui l'ont gardé, il y en a qui ne l'ont pas gardé. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? « Toi donc. » Il interpelle Timothée à se secouer et à persévérer pour être un bon exemple et un bon serviteur de Christ. Alors, il lui dit, au verset 1 et 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Timothée était pasteur et prédicateur à Éphèse. Et pour que son ministère soit efficace pour Dieu en cette période troublée, où il y avait des persécutions et où l'émergence des faux docteurs foisonnait de toutes parts, Timothée devait apprendre à se fortifier en Christ pour ne pas se décourager et tout abandonner. Ainsi, Paul lui dit au verset 1, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Autrement dit, laisse-toi pas abattre, Timothée. Secoue-toi et trouve la force que tu as besoin dans le Seigneur. Pas n'importe où, mais dans le Seigneur. Frères et sœurs, quand la vie devient difficile, à quel endroit est-ce qu'on trouve notre force? Certains vont dire, puise en toi-même la force dont tu as besoin. Pas sûr que c'est une bonne idée. Humainement parlant, peut-être, mais en réalité, c'est une erreur parce qu'en nous-mêmes, il n'y a que les désirs de la chair. Galates 5, 17 nous dit, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Alors, si on cherche notre force en nous-mêmes, on va s'affaiblir encore plus spirituellement. D'autres cherchent la paix et la tranquillité d'esprit dans la pensée positive ou dans la sagesse humaine. Mais la parole de Dieu affirme en 1 Corinthiens 3, 19,
que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et en Marc 7, on peut lire que ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est pas bon. C'est de la folie, c'est le meurtre, c'est l'envie, c'est toutes sortes d'affaires. Donc, c'est pas en nous-mêmes qu'on doit trouver la force, le courage, la persévérance d'avancer pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'en nous-mêmes, on n'a rien de spirituel par nature. C'est en Christ qu'on doit trouver toutes nos ressources. Alors, Paul va dire à Timothée, « Trouve ta force dans le Seigneur. » Alors, pour ne pas se laisser enterrer ou submerger par les difficultés, par la peur, par le découragement, par le sentiment d'échec ou par quoi que ce soit d'autre, c'est dans la grâce qui est en Jésus-Christ que nous devons nous fortifier. Parce que la grâce de Dieu, c'est elle qui procure aux chrétiens toutes les ressources dont nous avons besoin pour glorifier le Seigneur et pour le servir. Colossiens 2,10 nous dit, « Vous avez tout pleinement en Christ. » Alors, si on a tout pleinement en Christ, qu'est-ce qui nous manque? Rien. Des fois, il nous manque quelque chose, mais ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est insuffisante à nous les fournir, c'est parce qu'on ne sait pas les saisir, ces ressources-là. Peut-être qu'on cherche ailleurs. « Ah ben moi, je suis découragé parce que ça va mal dans le monde. Ce qui se passe aux Jeux olympiques, ça ne fait pas mon affaire, je trouve ça aberrant. Ce qui se passe en Ukraine, ben moi, je trouve ça désastreux. Puis ce qui se passe là-bas, puis ce qui se passe là-bas. » Peut-être. On n'a pas de contrôle de ce qui est dans le monde, de ce qui se passe dans le monde. Puis ce n'est pas en puisant dans le monde, en quelque part, pour essayer de contrebalancer, qu'on va trouver ce qu'on a besoin. C'est en Christ qu'on va trouver ce qu'on a besoin. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Comme je le dis souvent, la vie chrétienne, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, qui est une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, nous avons besoin de ressources spirituelles. Et c'est en Christ qu'on va les trouver, et nulle part ailleurs. Laissez de côté la pensée positive, les bonnes pensées, ou la philosophie humaine, la sagesse humaine. C'est en Christ qu'on va trouver ce qu'on a besoin, et la parole de Dieu nous dit qu'on a tout pleinement en lui. C'est donc en Jésus qu'on doit se fortifier, en saisissant toutes les ressources spirituelles que sa grâce met à notre disposition. Mais pour ça, il faut s'approcher du Seigneur. Vous savez, c'est facile de dire, « Ah oui, mais moi, j'aimerais ça avoir la force de Dieu, Tony. Je sais, c'est bien beau, là, mais OK. » Mais savez-vous, quand je parle avec des chrétiens qui me disent que ça ne va pas bien dans leur vie, là, ils me disent qu'ils ont des luttes, ce qui est tout à fait normal d'avoir des luttes, je leur pose la question, « Parle-moi de ta relation avec le Seigneur. » Oh, vous savez, si on veut être fort en Christ, il faut trouver notre force en lui. Mais pour trouver notre force en lui, il faut s'approcher de lui. Et s'approcher de lui, ce n'est pas quelque chose de religieux. Ce n'est pas parce qu'il dit, oh « Non, mais je vais à l'église, moi, là, le dimanche matin. » OK. Et s'approcher du Seigneur, ça se fait dans l'intimité avec lui. Dans la lecture de sa parole, dans la méditation de sa parole, dans la prière, dans l'obéissance à sa parole aussi. La grâce de Dieu met à notre disposition toutes les ressources qu'on a besoin pour avancer, pour combattre dans la vie chrétienne. Elle ne manque pas. Mais c'est nous qui avons, la plupart du temps, la difficulté à les saisir, ces ressources-là. Alors, il faut savoir s'approcher du trône de la grâce et les réclamer, ces ressources-là, et se les approprier. Et c'est comme ça qu'on va trouver, avec le temps, par la grâce de Dieu, toute la force dont nous avons besoin pour continuer d'avancer. Le prophète Ésaïe écrit, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut ou votre délivrance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » On cite ça souvent, hein? Mais avez-vous remarqué la fin du verset? « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Quand même intéressant. Le contexte d'Ésaïe 30, c'est celui où,
où l'Éternel avertissait les enfants d'Israël du châtiment qui les attendait, parce que non seulement ils étaient rebelles envers lui, mais aussi parce qu'ils cherchaient leur délivrance et leur force ailleurs qu'en Dieu. Mais c'est en l'Éternel que se trouve la vraie source de la force et de la paix. Mais ils n'en ont pas voulu. Frères et sœurs, ne soyons pas comme eux. Vous savez, souvent, ce n'est pas intentionnel. On ne se dira pas, « Ah, mais moi, j'en veux pas de la force du Seigneur. » Ben non, en tant que chrétien, on va tous dire, « Oui, j'en veux, mais... » Non, non, non. Vous savez, nos croyances influencent nos comportements. Alors, si je crois véritablement que la force que j'ai besoin pour affronter les difficultés de ma vie chrétienne et le service dans le Seigneur sont en Christ, et que je ne les approprie pas, que je ne prends pas le temps que je devrais sur mes genoux à implorer le Seigneur, à méditer sa parole, eh bien, c'est une façon de dire, « Mais je n'en veux pas vraiment, Seigneur, parce que... » Non. Non. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ne soyons pas de ceux-là, frères et sœurs. Réalisons que si on croit vraiment que la force, la tranquillité, la paix qu'on a besoin est en Dieu, allons auprès de Dieu pour les saisir, ces ressources-là. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. En plus de son propre ministère, Timothée était appelé à former d'autres hommes pour l'œuvre de Dieu. Mais pour ça, il devait d'abord, comme on a vu dans le message précédent, faire valoir le bon dépôt qu'il avait reçu de Dieu. C'est-à-dire cesser d'être timide et mettre en action le don qu'il avait reçu, c'est-à-dire ce que je crois, comme j'ai parlé la dernière fois, qui est celui de proclamer la parole de Dieu. Donc, il devait faire valoir ça, faire valoir l'Évangile sous toutes ses formes, ses dons spirituels, et aussi, comme on l'a vu, la sainte vocation qui vient avec. Parce que le Seigneur nous appelle à marcher d'une manière digne de la sainte vocation à laquelle il nous appelle. Et faire valoir ça par l'Esprit de Dieu, qui, lui, donne la force, l'amour et la sagesse nécessaires. Car nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, disait Paul à Timothée dans le premier chapitre. Mais le ministère, tout comme la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Alors Timothée, comme nous tous, devait apprendre, et comme Paul l'a appris lui aussi, à se fortifier en Christ, parce qu'il devra aussi être prêt à souffrir pour Christ. Et ça, ça demande de la motivation et de la détermination. Ainsi, Paul va dire, « Secoue-toi, Timothée, sois fort en Christ, mais aussi sois déterminé pour Christ. » Vous savez, il y a de plus en plus de faux docteurs, de faux enseignants qui prêchent l'évangile de prospérité. Puis ça, c'est populaire parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, comme on va voir un peu plus tard dans l'étude. Et ça plaît aux gens, ça flatte notre nature. On veut entendre ce qui fait notre affaire. Et l'évangile de prospérité va nous dire, non, 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 viens au Seigneur, tu vois, tous tes problèmes vont être réglés. C'est drôle, moi, c'est pas ça que je lis quand j'ouvre la parole de Dieu. Loin de là. Jamais, 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 jamais cette idée-là, ni de la part du Seigneur, ni de la part des apôtres, ni de la part d'aucun écrivain sacré, peut laisser sous-entendre que la vie chrétienne, c'est le summum du bonheur et de la joie. Parce que c'est pas vrai. Le Seigneur a été persécuté, alors attendons-nous à être persécutés. Et pendant plusieurs chapitres dans l'Évangile de Jean, avant de partir, le Seigneur prépare ses apôtres, ses disciples à la souffrance. Alors, il faut être déterminé pour Christ. Versets 3 et 7. Souffre avec moi. Écoutez, si la souffrance n'était pas normale, pourquoi il aurait écrit ça? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles.
Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. J'avais abordé la dernière fois le fait que souffrir pour le Seigneur, ça fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Bon, il ne nous appelle pas tous à être des martyrs, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais la souffrance fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Et ce que la parole nous dit, c'est que quand on souffre, on doit s'en remettre à Dieu et accepter la souffrance et comprendre que Dieu a un plan beaucoup plus large que ce que nous, on peut entrevoir. Ce matin, j'aimerais dire que quand Dieu veut qu'on souffre pour lui, il ne nous laisse pas seuls. On a vu au chapitre 1 que l'Esprit de Dieu en nous en est un de force, d'amour et de sagesse. Et cette sagesse-là s'applique à notre souffrance. Regardez ce que Jacques, le demi-frère du Seigneur, écrit. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse qui est question ici n'est pas celle que Salomon a demandée, par exemple, pour pouvoir gérer le peuple. Jacques a écrit ça dans un contexte de souffrance et de persécution. Et la sagesse dont il parle n'est pas pour gérer les gens ou pour faire de la philosophie, mais pour savoir comment tenir bon dans l'épreuve et trouver en Christ la détermination d'avancer par la force toute-puissante de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse humaine. C'est de ça que Jacques, Paul, parle ici. La sagesse qui vient d'en haut. Celle qui va nous fortifier, nous éclairer, nous donner le discernement, nous donner la détermination d'avancer dans le Seigneur quand les vents sont contraires. C'est la sagesse de ne pas faire notre petit caliméro et dire « Oh, misère, oh, malheur! » Et dans le même ordre d'idée, Paul donne ici à Timothée 3 exemples afin qu'il y trouve, par la grâce de Dieu, la sagesse et l'intelligence de persévérer malgré les difficultés et les souffrances. C'est pour ça qu'il écrit au verset 7, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Alors, Paul va lui donner des exemples. Premièrement, il donne l'exemple d'un soldat. Un soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, mais qui agit de façon à plaire à celui qui l'a enrôlé. Imaginez un champ de bataille. Notre soldat est là, puis là, les balles sifflent de tous bords, de tous côtés. Fioum, 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 puis là, bang, les bombes explosent, puis tout ça. Puis lui, il sort de son trou, puis sort son téléphone. Prend des selfies pour mettre sur Instagram. Il n'est pas à son affaire, ben. C'est pas ça, la guerre. Ça prend du discernement, la guerre. Ça prend de la sagesse. La guerre, c'est si ça tire, bouge. Puis si ça bouge, tire. Mais fais quelque chose. Il faut avoir le bon discernement d'agir. Frères et sœurs, nous sommes engagés, qu'on le veuille ou non, dans une guerre spirituelle. Alors, combattons le bon combat. Comme Paul va le dire à Timothée un peu plus loin. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et c'est ça qu'on est appelé à faire aussi, combattre le bon combat avec la sagesse et l'intelligence que Dieu donne pour le faire. Il faut la réclamer, cette sagesse-là. C'est une promesse là-dedans, là. Elle nous sera accordée. C'est une autre des ressources que la grâce de Dieu met à notre disposition pour affronter les difficultés de la vie chrétienne. Alors, sachons la saisir. Demandons-la la sagesse qui vient de Dieu. Quand c'est difficile dans la vie chrétienne, les combats qu'on a amenés, on ne sait pas toujours comment le faire. Et si c'est difficile, c'est justement parce qu'on ne sait pas comment combattre le bon combat. Alors, sachons identifier quel péché dans notre vie. Quelle dépendance, quelle personne qu'on aime plus que Dieu,
quelle situation, quelle peur, quelle rancune ou quoi que ce soit d'autre qui nous empêche de combattre le bon combat et débarrassons-nous-en. Agissons de façon à plaire à celui qui nous a enrôlés. Chrétiens, secouons-nous. Secouons-nous parce que Jésus nous appelle à combattre le bon combat. Et pour ça, il faut regarder en haut. Notre âme dans le puits, là, il se secouait, là, il regardait en haut, dans l'espoir qu'à chaque coup, là, il savait qu'il montrait un peu plus. Apprenons à nous secouer, frères et sœurs, dans la vie chrétienne. À ne pas nous laisser enterrer par les difficultés. Puis à regarder en haut, vers la sortie. Et faisons-le avec persévérance et détermination, parce que c'est ça qui plaît à celui qui nous a enrôlés. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il met les ressources à notre disposition. Ayons la sagesse de lui demander. Notre âme, dans le fond du puits, là, savez-vous, c'était quoi ses ressources pour s'en sortir? C'était justement la terre qui tombait sur lui. Et parfois, Dieu nous envoie des difficultés, puis ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces difficultés-là nous transforme de plus en plus à l'image de Christ. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Alors souvent, nos difficultés deviennent une bénédiction. Évidemment, il ne faut pas tomber dans l'extrême et être masochiste et dire, « Oh Seigneur, envoie-moi des persécutions. » Ben non, ce n'est pas ça. Mais quand il nous en envoie, ayons la sagesse, le discernement, le courage et la foi. Dire, « OK Seigneur, ce qui tombe sur moi là, je vais me secouer pour me laisser enterrer, puis je vais m'en servir pour aller plus haut, vers toi, Seigneur. » Bref, combattons le bon combat. Laissons faire les selfies, puis regardons en avant. Ensuite, il donne l'exemple d'un athlète qui doit combattre selon les règles s'il veut être couronné. Vous savez que, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce n'est pas nous qui avons inventé les Jeux olympiques là, il y a quelques dizaines d'années. Les Jeux olympiques, ça date de la Grèce antique. En fait, autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ça a parti dans la ville d'Olympie, donc les Olympiques. C'est de là que ça vient. Mais il y en avait d'autres. Il y avait d'autres compétitions sportives. Il n'y avait pas que les Jeux olympiques. Il y avait aussi, par exemple, les Jeux ismiques. Ismiques à cause de l'isthme de Corinthe. Il y avait à côté de la Grèce continentale, donc la Grèce en Europe, il y avait une bande de terre qui reliait à ce qu'on appelle le Péloponnèse, qui était une province, là. Et cette bande de terre-là avait environ 6 km de diamètre, là, et la ville de Corinthe était située juste à côté. Et là, il y avait les jeux qu'on appelait ismiques. Donc, c'est là que ça vient le nom, les jeux ismiques, parce que ça vient de l'isthme de Corinthe. Donc, juste un petit détail historique. Et quand Paul a écrit aux Corinthiens, il a fait référence à ces jeux-là, je crois. Il aurait pu le faire aux Jeux olympiques, mais comme c'était à côté de chez eux, je pense qu'il se référait aux Jeux ismiques. Alors, Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Ça, c'est une photo qui a été trouvé dans un site archéologique. C'est une photo qui date de l'époque où les coureurs couraient dans le stade. Non, bien sûr que non. Heureusement que ce n'est pas une vraie photo, parce qu'à l'époque, ils couraient tout nus. On ne veut pas voir ça. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils couraient. Et Paul se sert de cette analogie-là pour dire qu'il faut courir avec persévérance. Mais aussi, selon les règles, parce que si on est disqualifié, on ne gagnera rien au final. L'athlète olympique qui veut une médaille, qui veut monter sur le podium, doit suivre les règles. Il y a des règles qu'on peut contester, mais là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je ne veux pas me faire boxer ici, là. Mais si on veut une médaille, on doit combattre selon les règles et y mettre toute la force, l'énergie, les compétences et la détermination dont on est capable. Ce qui veut dire que pour nous, les chrétiens, combattre selon les règles, ça veut dire obéir à la parole de Dieu, ne pas faire de compromis avec le péché
servir le Seigneur et s'efforcer de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. C'est ça, combattre selon les règles. Et ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et quand on est à bout de souffle, essoufflé, découragé, pensons que la grâce de Dieu met à notre disposition toutes les ressources dont on a besoin. Un petit boost d'énergie, mais quelque chose de durable, quelque chose de vrai, quelque chose qui va réellement nous aider à combattre selon les règles, à plaire à celui qui nous a enrôlés aussi. Et ce qui devrait nous donner la détermination d'agir ainsi, ce sont les couronnes que Jésus va nous donner un jour devant le trône de Dieu. Mais demandez-moi pas, ça va être quoi exactement les couronnes? J'en ai aucune idée. C'est des récompenses. Ça va avoir l'air de quoi? Je ne sais pas. Je laisse ça au Seigneur, puis le Seigneur va nous surprendre rendu là. Mais il va y avoir des couronnes, nous dit Apocalypse 4, que nous jetterons ensuite aux pieds du Seigneur, prosternés devant son trône, en adoration et en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Amen. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, combattons selon les règles et courons vers le but, de manière à être couronnés et de pouvoir redonner cette couronne à Jésus dans la plus sublime des adorations. Quelle joie ça va être de dire, « Seigneur, tu m'as récompensé, bien que tu n'as pas besoin de l'homme pour être servi, toi qui donnes la vie et la respiration, toutes choses, bien que tu peux faire crier des pierres si nous on n'évangélise pas, bien, Seigneur, que tu peux utiliser qui ou quoi que tu veux, n'importe quand. » Dans ta grâce, tu m'as confié des œuvres, toutes préparées d'avance, avec lesquelles j'ai pu te servir, te glorifier. Puis en plus, tu me donnes une récompense pour ça, une couronne. Hey, on ne mérite rien de ça. C'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, je pense que quand le moment va venir de prendre cette couronne-là, que le Seigneur va nous avoir remis, puis qu'on va dire, on va réaliser en réalité comment est-ce que Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, on va les rejeter à ses pieds, ces couronnes-là, puis ça va être dans le plus grand acte d'adoration qu'on va le faire. Frères et sœurs, combattons selon les règles et combattons le bon combat pour avoir des couronnes à redonner à Jésus dans l'adoration la plus sublime que notre aide va pouvoir lui faire afin de le remercier. Paul donne aussi à Timothée l'exemple d'un laboureur. Le laboureur qui veut obtenir une riche moisson va devoir travailler dur et le faire avec patience, détermination et dépendance de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui envoie le soleil, la pluie. Puis un jour, le laboureur qui travaille dur va recevoir, va recueillir les fruits de son travail. C'est l'image que Paul donne à Timothée ici. Et il veut lui dire que même si ce n'est pas facile, il doit persévérer dans son ministère en sachant que par la grâce de Dieu, un jour, il va avoir des fruits de son travail, soit dans cette vie, soit dans l'autre. Évidemment, les fruits appartiennent à Dieu au final. Mais ce qu'on aura fait, le Seigneur va nous en montrer les fruits. On va pouvoir se réjouir, dire, « Seigneur, même si c'était juste une toute petite affaire, je suis tellement content, Seigneur, d'avoir participé à ta gloire d'une manière ou d'une autre durant ma vie. » Alors oui, c'est pénible, mais c'est ce qu'on est appelé à faire, parce que la vie chrétienne est sillonnée de souffrances, de déceptions, de peurs, d'échecs, etc. Et on doit constamment veiller à enlever les racines du péché et de l'orgueil et de l'amertume qui cherche à pousser dans notre cœur. Et toutes ces choses-là sont tenaces, alors on peut facilement se décourager. Mais gardons l'idée qu'un jour, la moisson va venir, puis là, on va être content. Moi, durant tout l'été, là, j'ai fait un jardin chez nous, un jardin potager dans ma cour en arrière.
J'ai planté toutes sortes de légumes. Savez-vous qu'est-ce qui arrive en août? J'ai commencé à manger les fruits de mon jardin. On dit les fruits de mon jardin, mais en réalité, c'est des légumes, mais bon, vous comprenez l'idée. J'ai commencé à en manger, mais les mauvaises herbes, là, elles ont envahi mon jardin totalement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pendant tout l'été, j'arrachais un petit peu à chaque jour, ça allait bien. Puis on dirait que dans la nuit du 31 juillet au 1er août, là, paf, à chaque année, c'est comme ça. Ça devient plein de mauvaises herbes partout. Heureusement que, avec patience et détermination durant l'été, j'en ai enlevé parce que j'aurais jamais vu le bout. Mais savez-vous quoi? J'ai des fruits pareils. Alors même si, dans nos vies chrétiennes, des fois, on se sent envahir par toutes sortes de racines d'amertume, de mauvais sentiments ou de quoi que ce soit, puis on a l'impression qu'il prenait dessus, le Seigneur est au contrôle et il le restera toujours. Concentrons-nous sur les fruits, que ce soit pour nous ou pour le Seigneur. Concentrons-nous là-dessus parce qu'un jour, la récolte va arriver. Et là, on sera dans la joie. À chaque jour, je suis content de manger des légumes de mon jardin. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Apprenons à nous en remettre au Seigneur et à ne pas abandonner, même si parfois la terre dans laquelle on travaille semble dure et stérile. Parce que c'est le Seigneur qui fait croître. Et malgré les difficultés et les racines de tout ce qu'on voudrait enlever, le Seigneur est au contrôle. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire ce qu'on a à faire. Alors apprenons à nous en remettre à Jésus en réclamant la sagesse qu'on a besoin pour le faire. Et selon sa promesse, il va nous l'accorder. Et encourageons-nous par cette parole, frères et sœurs. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est-tu pas beau ça? Hein? Troisième point. Souviens-toi de Jésus-Christ, Timothée. Lisons les versets 8 à 10. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Une fois, j'ai vu un film dans lequel un terroriste avait été arrêté par des agents de la CIA qui le torturaient pour obtenir certaines informations. Mais même sous la torture, l'homme refusait de parler. Quand l'un des agents lui a demandé pourquoi il résistait autant, le terroriste a répondu « Parce que la cause que je sers est plus grande que moi. » Ça m'a porté à réfléchir et j'ai immédiatement pensé à l'Évangile. Ça m'a rappelé Jésus. On dit, des fois, je peux avoir l'impression d'être torturé par la vie. Je peux avoir l'impression d'être mis aux arrêts. Je peux avoir l'impression de ne pas être capable d'avancer puis d'abandonner. Mais je dois me souvenir d'une chose, c'est que la cause que je sers, l'Évangile, est plus grande que ma propre personne. Bon, Paul n'était pas un terroriste, là, mais je crois que ce qu'il dit à Timothée ici est exactement la même chose. Comme on l'a vu, Timothée était confronté à beaucoup d'adversités, venant de l'extérieur, à cause des persécutions. Néron, souvenez Néron, il avait commencé 3 ou 4 ans auparavant les persécutions parce que Rome avait été incendiée. Et là, il voulait pas se faire. C'est lui qui avait mis le feu, mais il ne voulait pas que ça passe sur son dos. Alors, il a accusé les chrétiens. Et là, une vague de persécutions sans précédent est arrivée. En plus de ça, il y avait tous les faux docteurs auxquels Timothée devait faire face. Ça devait venir assez pesant, ça, là, à la longue, là. Alors, confronté à tout ça, le découragement le guettait, et comme Paul ne veut pas qu'il se décourage et qu'il baisse les bras, il lui dit d'une certaine façon, « Timothée, ne perds pas de vue la cause que tu sers, parce qu'elle est plus grande que toi. Laisse-toi pas abattre par l'adversité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. » Au chapitre 1, Paul avait dit, « Je sais en qui j'ai cru. » Wow, quelle parole puissante!
je sais en qui j'ai cru. Et ici, il ramène ça à Timothée. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, Timothée. Moi, je sais en qui j'ai cru. Toi aussi, souviens-toi-en. Jésus-Christ, l'Évangile, c'est beaucoup plus grand que ta personne puis que la mienne. Puis tout ce qu'on a à endurer, Timothée, souffle-le avec moi, parce que ça vaut la peine. L'Évangile est plus grande que nous, parce qu'elle vise le salut et la gloire éternelle des élus, dit Paul dans ce texte. Et c'est valable pour nous aussi. On ne doit pas perdre de vue la cause que l'on sert et la sainte vocation à laquelle nous sommes appelés. Un chrétien qui vit de façon mondaine et qui baisse les bras à cause de la souffrance a clairement perdu de vue l'Évangile de Jésus-Christ et la gloire éternelle qui attend les élus. Et quand je dis d'avoir perdu de vue l'Évangile, je ne parle pas juste du salut en 5 étapes, là, viens Jésus, tu vas te sauver, c'est pas ça. Là. L'Évangile, c'est beaucoup plus que ça. L'Évangile, c'est toutes les ressources que Dieu met à notre disposition pour affronter chacune des situations de notre vie. Toutes les ressources que la grâce de Dieu met à notre disposition, ça fait partie de l'Évangile. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Parce que si on le perd de vue, on n'aura plus de raison de combattre le bon combat. On n'aura plus de raison de courir jusqu'à vouloir être couronné. Parce qu'on va s'apitoyer sur soi, puis on va penser qu'on est dans la défaite, alors que la victoire est en Christ, frères et sœurs. Et cette victoire, Jésus l'a fait nôtre. Bon, pour l'instant, on souffre, on est sur le champ de bataille, puis les balles sifflent. Mais un jour, on va être dans la gloire, au banquet, avec le Seigneur. On va se réjouir, puis ça ne fournira plus d'aller bien. Alors, il ne faut pas perdre ça de vue. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si la souffrance, la frustration, la colère ou quoi que ce soit d'autre t'ont amené à vivre en marge de la sainte vocation à laquelle tu es appelé, souviens-toi de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour toi et de tout ce qu'il met à ta disposition et de la gloire éternelle qui t'attend dans sa présence, si du moins tu lui appartiens. Souviens-toi de ça, mon frère, ma sœur, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Si tu t'en es éloigné, reviens à Jésus et sers-le à nouveau. Sers-le premièrement sur ton cœur avec repentance et confession de ton péché. Et ensuite, sers-le dans l'Église avec les dons qu'il t'a donnés pour le faire. Reviens à son service, parce que ça, c'est la sainte vocation à laquelle nous sommes appelés. Ça en fait partie. Souffrir pour l'Évangile, c'est normal. Et servir fidèlement le Seigneur a toujours été coûteux. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne, au sujet des saints de l'Ancien Testament, que certains furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Si quelqu'un vous parle un jour de l'Évangile de prospérité, faites-lui lire ce texte-là. L'histoire de l'Église est remplie de souffrances aussi concernant les chrétiens. Et nous aussi, on est appelés à souffrir pour le Seigneur parfois, comme Jésus l'a dit en Jean 15-20. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, dans la souffrance et l'épreuve, pour tenir bon et continuer à combattre le bon combat, mon frère, ma sœur, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi qu'il a souffert plus que toi et moi et que c'est pour nous qui faisons partie de ses élus, qu'il l'a fait. Alors, quand ça va être difficile, au lieu de te laisser enterrer par l'épreuve et le découragement, secoue-toi et remets ton sort à Jésus-Christ.
Parce que nous dit Hébreux 4:15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus peut donc nous comprendre et nous secourir. On n'est pas seul. Et vous savez, le diable, le monde, la chair, qui sont les ennemis du croyant, peuvent nous malmener tant qu'ils veulent. Mais ils ne réussiront jamais à faire taire l'Évangile et la cause de Christ. Parce que même s'ils nous persécutent, la parole de Dieu, elle, n'est pas et ne sera jamais liée. Au verset 9, Paul dit, « Je souffre à cause de l'Évangile jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu, elle est puissante en elle-même. Elle n'a pas besoin de nous, là. C'est nous qui avons besoin d'elle. Vers la fin du 2e siècle, un théologien du nom de Tertullien a écrit, à cause des persécutions d'Église, « Vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. Nous devenons plus nombreux chaque fois que vous nous moissonnez. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Wow! L'Évangile n'est pas lié, frères et sœurs, et ne le sera jamais. Parce que Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Beaucoup essayent de faire taire la parole. Jamais personne n'y arrivera. Alors, frères et sœurs, souvenons-nous de Jésus-Christ et ne perdons pas de vue la cause que nous servons, parce qu'elle est déjà gagnée. Elle est déjà gagnée. Christ a vaincu le monde. Il a vaincu notre pire ennemi. Ce n'est pas le diable, notre pire ennemi, c'est la mort. Il l'a vaincu. Et cette victoire, elle nous appartient en lui. Et on va la savourer pleinement un jour dans la gloire. Perdons pas ça de vue. Que ce soit notre encouragement. Apprenons à nous secouer dans les difficultés et à viser la sortie. Parce qu'un jour, on va sortir de ce monde corrompu, puis on va gambader dans le royaume des cieux, dans la gloire éternelle de Jésus-Christ. Alors, frères, sœurs, souviens-toi de Jésus-Christ. En ressuscitant, Jésus a obtenu pour ses élus la plus grande et glorieuse victoire qui puisse être racontée. Et savez-vous quoi? On en fait partie. L'Évangile, c'est plus grand que nous-mêmes, alors n'en ayons point honte et proclamons-le. En parole, bien sûr, mais par la souffrance aussi, si nécessaire. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit Romains 1,16. Alors, supportons tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. La Bible dit que Dieu s'est choisi, élu un peuple avant même la fondation du monde pour qu'il soit saint et irréprochable devant lui. Et Jésus est mort et ressuscité pour obtenir le salut à ce peuple d'élus, qui est composé de gens de toute langue et de toute nation. Et les élus vont hériter du royaume de Dieu dans la gloire éternelle de Jésus-Christ, le roi des rois. J'aimerais te dire ce matin, si ton cœur brûle en dedans quand tu entends parler de Jésus, si ton âme soupire après le salut de Dieu, c'est que Jésus t'appelle. Et si tu réponds à cet appel-là, c'est parce que tu as été élu. Alors, repens-toi de tes péchés maintenant. Demande pardon à Jésus et confesse-le comme Sauveur et Seigneur maintenant. Comme ça, tu sauras si tu es un élu. Les élus ne savent pas avant. On le sait après. Parce que Dieu s'est élu un peuple depuis avant la fondation du monde. La Bible dit, en Romains 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Est-ce que tu crois ça? Toi qui m'entends ce matin, dans la salle ou sur Internet, est-ce que tu crois ça? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'est pas question de faire une religion. Il n'est pas question d'être baptisé. Il n'est pas question de faire une bonne vie ou rien de ça. Il est question de confesser le Seigneur Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et de croire ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire qu'il est mort et ressuscité parce que c'était le seul moyen pour nous d'être sauvés.
fais le choix de croire en Jésus et de donner ta vie pour lui. Comme ça, tu sauras que tu es un élu. On ne sait pas, nous autres, c'est qui les élus. Alors, il faut prêcher. Je pense que c'est Charles Spurgeon, le grand évangéliste, qui disait, « Je ne sais pas, moi, c'est qui les élus. » Puis s'ils avaient un gros « E » en jaune de peinturé dans le dos, je passerais mes journées à lever des chemises pour savoir c'est qui. Mais je ne sais pas, fait que je prêche l'Évangile à tout le monde. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Prêcher l'Évangile pour gagner des âmes à Christ, pour la gloire des élus. Dieu connaît les siens. Nous, on doit prêcher. Dieu s'occupe du reste. Alors, mon ami, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, fais-le avec repentance, parce que la repentance, c'est important. C'est-à-dire la conviction sincère et profonde que tu regrettes tes péchés devant Dieu et que tu lui confesses. Si tu le fais, tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va venir habiter en toi et qui va témoigner à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, un élu. Fais-le maintenant. Fais-le ce matin, dans tes propres mots. Confesse à Jésus ton péché. Avoue-lui ton désir, ton besoin d'être sauvé et invite-le à faire partie de ta vie. Lisons les versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Hey, on ne parle pas de n'importe quoi. Hein? Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il y a plusieurs interprétations possibles à ces passages-là. Moi, j'y vois quatre affirmations en rapport avec l'identification en Jésus-Christ. Deux positifs et deux négatifs. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Je ne crois pas ici que Paul parlait des persécutions et de la mort physique, mais qu'il faisait plutôt référence à notre identité, au baptême, comme il le fait en Romains 6, quand il dit, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça nous appelle ici à s'identifier en Christ, en marchant d'une manière digne de lui. Et je crois que c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Timothée, n'oublie pas ton identité en Christ. Si tu es mort avec lui, tu vas vivre avec lui. Deuxièmement, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Bon, évidemment, ici, il ne faudra pas interpréter ça là, de façon à ce qu'on agisse pour mériter notre salut, parce que c'est hors de question. On ne peut pas mériter notre salut. Cette affirmation-là met en évidence, j'ai sauté une ligne, excusez. Évidemment, ici, on ne peut pas mériter notre salut, mais ça nous parle de persévérer parce qu'on est sauvé. C'est la doctrine de la persévérance. Donc, on ne persévère pas pour être sauvé. Si on persévère, c'est parce qu'on est sauvé et Dieu, par son esprit de force, de sagesse, nous amène à persévérer. C'est Dieu qui amène les saints à persévérer, alors ceux qui lui appartiennent vont persévérer jusqu'à la fin où ils régneront avec Christ parce que le Seigneur les aura gardés. C'est encore une identification à Jésus. Timothée persévère. Parce qu'un jour, tu vas régner avec lui. Troisièmement, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Cette affirmation-là met en évidence l'inverse de la précédente. Alors, il ne s'agit pas ici de ceux qui, comme Pierre, par exemple, ont renié le Seigneur temporairement, ou des chrétiens qui, pendant un laps de temps, ont décidé de ne pas marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ceux qui n'auront pas persévéré dans la foi, parce qu'ils n'étaient pas véritablement sauvés. Comme Jésus a dit en Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Alors, ceux qui rejettent le Seigneur seront rejetés par lui, tout simplement. Est-ce qu'on est identifié
à ceux qui vont ressusciter et régner avec Christ ou à ceux qui, au final, l'auront rejeté? Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. C'est encore la suite logique de l'affirmation précédente. Christ ne manquera jamais à sa promesse de sauver ceux qui croient en lui, comme il ne manquera jamais à celle de condamner ceux qui ne croient pas en lui. La parole de Dieu nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » S'il n'en était pas ainsi, le Seigneur se renierait lui-même, ce qui est impossible, parce que le Seigneur, oui, il est amour, mais il est juste. C'est dans sa nature. Et le Seigneur ne peut pas renier sa propre nature, qui est juste et sainte. Alors, Paul rappelle donc à Timothée avec certitude, il dit cette parole est certaine, qu'il doit persévérer à cause de qui il est en Jésus-Christ, son identité. Frères et sœurs, persévérons à cause de notre identité en Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus vont vivre et régner avec lui, contrairement à ceux qui ne verront pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Dans quel camp êtes-vous? C'est important de le savoir. Parce que si vous êtes dans le mauvais camp, comme dit Paul ailleurs, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est important. Mais si vous appartenez au Seigneur, alors combattez le bon combat. Poursuivez la course de façon à plaire à celui qui vous a enroulé. Montez sur le podium, décrochez la couronne, et un jour, vous serez content de pouvoir la rejeter aux pieds de Jésus dans la plus grande des adorations. Notre identité en Christ devrait être la source de la force et de notre détermination, de tout ce que nous avons besoin pour persévérer devant les difficultés. Alors, au lieu de les laisser nous enterrer et de se plaindre comme un âne, secouons-nous et regardons vers la sortie en nous rappelant qui nous sommes en Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole qui parfois peut être reçue de façon dure, parce que ça nous ébranle. Mais Seigneur, c'est ce que toi tu as à nous dire qui est important. Puis Seigneur, aide-nous à se secouer quand ce sera le temps. Être capable de saisir les promesses et toutes les ressources dont nous avons besoin. Ces ressources-là qui sont en toi pour combattre le bon combat, pour achever la course, pour récolter les fruits. Seigneur, fortifie-nous. Et amène-nous, Seigneur, devant les difficultés à ne pas agir comme un âne, mais de façon à se secouer en visant la sortie. Et Seigneur, merci tellement de prendre soin de nous. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, puis c'est dans le nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs longtemps où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi
présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je vous souhaite une très belle semaine. Que Dieu vous bénisse. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courrai, courrai vers ta maison. Je veux